Bonjour monsieur 315, comment ça va? Réellement, je crois que c'est la voiture la plus tard pour nous. T'es quelqu'un? Toi, la sortie en plus. Oh ouais, la chasse en 4. C'est noble. Bon, et c'est sûr. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur 315, comment ça va? 315 face. Il y avait un virage, j'ai monté, ça faisait un virage, j'ai monté, mais il n'y avait personne sur le côté bien. Ouais. J'étais à 3-12, je crois. Oui. 3-13, j'ai pas bien regardé l'écran. Ouais. Donc, à vous de voir la famille. Ouais. En tout cas, j'ai filmé. C'était bien. Enfin, mon troisième bras filmé, je sais pas c'est qui. Ouais. Franchement, rien, c'est un truc de fou. Ouais. Je te jure, j'étais à 3-12, mais réellement. Ouais. Réellement, je crois que c'est la voiture la plus stable pour moi. T'es quelqu'un, là. Mais c'est un truc de malade. C'est à haute vitesse, elle a une stabilité. J'ai jamais vu une voiture aussi stable à haute vitesse. Ah ouais. Ceux qui ont les possesseurs de M390, dites-moi si vous avez le même ressenti que moi, mais c'est un truc de malade, rien. Là, vraiment, à haute vitesse, on dirait qu'elle est encore plus stable qu'à basse vitesse. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Ça, c'est une dinguerie. Parce qu'il fallait le faire. On ne l'a pas fait à l'aller, il y avait du monde. Donc j'ai dû le faire vite fait au retour. On avait 50 km de portion d'autobahn. Exactement. Donc on l'a fait. Rien, il n'y a pas pu être avec moi, il était dans notre voiture. Malheureusement. Mais c'était sympathique. Et petit message de prévention pour nos amis, ouais, à ne pas reproduire les amis, faites attention à vous. Une fois de temps en temps, vous allez sur l'autobahn, on tire une pointe, mais on ne s'amuse pas à faire ça sur les autoroutes françaises déjà pour commencer. Bien sûr. Et encore moins quand il y a du monde, tu vois. Et c'est pour ça qu'à l'année, d'ailleurs, j'ai pas pu pousser trop, plus de 300. En fait, j'aurais pu le faire, mais j'ai préféré ne pas le faire parce que sur la bande de droite, il y avait quand même des Bien gens. Sûr. Vaut mieux rester calme. Là, franchement, il n'y avait personne. Mmh, ça montait, ça tournait, comme par hasard, trois bombes, il n'y avait personne, c'était beau. Ah non, mais c'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. Hein. Il y a pas de... Voilà la famille. C'est ce truc-là, là ouais. Ce petit oiseau de. Franchement, elle marche. Ouais. Et sur l'autoroute, ouais. C'est un truc de malade, vraiment, elle arrache. Ah ouais, bah, c'était. Et il faut le savoir, elle a 420 chevaux. Ouais. Et bah, franchement, quel véhicule de 420 chevaux, il monte, toi, à quel âge aussi maintenant, là de l'âge. C'est vrai. En atmosphérique, pas de turbo, et ça monte 310, 315 à l'aise. Vraiment. C'est noble. J'aurais une descente vraie, j'aurais monté 320, 325. Allez. Ah ouais, ouais. Voir 330 en descente. Là après, si t'as fait un virage, elle est légèrement montée, légère. Et sinon, on est où là en fait? Là, ça y est, dans la frontière. Frontière belge. Come from Belgium. C'est noble. Bon, on va aller donner la boire à cette brave bête. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Ça, bon. T'as fait un petit. Ça va, elle est propre. Hein. Tu vois une F80 d'origine. T'as pas abîmé de. Une F80 d'origine avec ses 431 chevaux. Je pense pas que j'aurais pris 3,15. Jamais. 3,10, 3,15. Jamais de la vie. Ça prend. 300, 300 peut-être. 300, ouais, ouais, 305. Ouais. Après, en descente, oui, mais en montée légèrement virage, je te jure, je ne voudrais jamais. Ouais, jamais. Parce que les F80, quand elles sont carto, ouais, elles montent à 3,10, 3,15. Ouais. Peut-être 3,20, mais c'est dur. Là, tu sens que ça s'essouffle après 2,80. Ouais, franchement. Là, pas comme ça. Hein. Ouais, là, c'était limite, compliqué. Celle-là, elle bouffe une F80 après 2,80. Oui, bien sûr, sur l'autoroute. Sur, hein, oui, ouais. les F80, ils ont du mal à arriver à 300. On a eu plein d'F80 rien. C'est noble. On est habitué, même la CS. Hein. Faut le savoir, la CS, bon, elle est bridée à 291, c'est ça. Ouais, 291. Elle a monté 291 quand on l'a ramené dans la main. Mais on sent quand même. Petite que... pensée à la lame. Elle morfle, hein. Elle monte à 300, mais. Elle morfle. Hein. Elle a une bonne accélération, mais en VMAX, c'est pas terrible. C'est pas trop. Après, ça. Au stage 1, ça rectifie le truc, mais ça monte 315, 320, c'est bien. Ouais, c'est bien. Après, bon, c'est anecdotique. Hein. Vous n'allez pas tous les jours à 300. C'est nous, on est des psychopathes, c'est psychologique en fait. Ouais, ouais. Il y a un problème. En gros, quand on sait que la voiture elle dépasse les 300 km/h. Il faut aller voir ce que ça donne. Voilà, quand on sait qu'elle dépasse les 300, 310, on est content. C'est vrai Tout ou pas à fait. C'est respectable. Ouais, viens, allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Allez, vas-y, enregistre. Bon, on peut pousser, allez, on va pousser. On est en Deutschland, hein. On est en Deutschland. Hein. En Deutschland, vas-y, on voit du steak, allez. C'est illimité. Showtime, c'est illimité. Tout pour les cousins, tout pour les cousins. Un je stabilise. C'est génial. Wow. Un peu bizarre de tout, on est là, on est en train de faire une vidéo, je suis à 240 normal, tu vois. Ah, ça tue, hein. Ah, c'est vraiment, ça fait vraiment bizarre. Ah, c'est pas mal. C'est là non, hein. Moi je dis non. Hein. Là je dis non, hein. Non monsieur.
Je pense qu'on se le fasse un jour, la famille. Ce stab, sans stab, c'est trop dur. C'est vrai. Ah ouais, je te jure, c'est vrai. Ah ouais, fallait qu'on se le fasse un jour. Ouais, bah attends. Faudra revenir avec le. Allez, vas-y, viens, on voit du steak. On va faire un pouce parce que je crois que j'avais les plein phares. Oui, je te vois, je suis en vue POV là. Là, les gens, ils. Ah ouais, roule avec toi, ah ouais, c'est génial. Donc, alors, troisième 160, quatrième. On peut parler là, on peut être transparent avec vous. Là, approche un peu, quatrième, quasiment 2-10. Ah ouais, non, il va chercher le fond. Cinq. Ah ouais, non, on va racler. Ah, la spatule. On a des racles de bidets. Cinquième de 50 et sixième, voilà. Allez, vas-y. Allez, exprime-toi, la bête. C'est toujours tout droit. 15 km. Moi, je me concentre sur la route reine, toi, tu me dis la vitesse à laquelle je suis. Hein. 15 km, léger virage gauche. 2,90. Bientôt 300. Presque. Ouais. C'est pas mal. J'ai pas fait confiance à celui-là. T'as raison. Il y a sûrement une petite. On était quasiment à 300. Ouais, c'était bien. Elle allait encore fort. Bon, on va se le faire au retour, il n'y a pas de problème. 13 km tout droit. 13 km. Ouais. Donc, j'aime bien qu'on voit si comme ça, tu vois, il n'y a pas de truc rouge. Ouais, ça tue. Hein. Tu peux y aller, mais regardez. Il n'y a pas de mytho. On est sur la autobahn, les amis. Et puis voilà. Voilà le petit panneau ici qui indique. La vitesse n'est plus limitée, alors on s'est fait plaisir. Oh, ça aurait été mieux la journée, hein, franchement. Oui, parce que la visibilité est moins bonne, mais bon. Ça va, elle marche bien, la M3. Hein. Bien. C'est une patate. Alors, au revoir. Ah là là là. Il y a des poids lourds, là, un peu loin. Toujours les poids lourds. Merci, Wes, regardez. On est à 2,10 là, 2,20 et c'est pas rouge, c'est génial! Merci Waze! Oh là là là! Voilà ce qu'il faut se dire, la famille. Je suis un vrai Allemand, moi. Je suis un Allemand dans l'âme. Non, vraiment, rendez-vous. Je crois que je peux même essayer là maintenant. Hein. Ouais? Tu veux? C'est un coup de 300. Allez, vas-y. Allez, gros, t'as un coup de 300. Allez, c'est parti. Regardez, je ne mens pas. Nous sommes toujours en nos limites. C'est parti. Je suis en train de faire un. On va essayer de le faire. Hein. Effectivement, c'est limité, du coup on respecte les limitations, dit-il. Voilà, c'est génial. Mais comme vous avez pu le constater, 290 elle les monte tout de suite. Ah, c'est de lourd. Après, même plus de 300 elle les monte à l'aise. Pourtant, elle a que 420 chevaux. Ouais, du moins quand elle était d'origine. Ouais, elle est d'origine, rien. Ouais, presque. On n'a jamais carto celle-là. Ouais. Sinon, la carto éthanol. Après, comme c'est un atmosphérique, bon, faudrait rajouter une ligne, une admission et compagnie. Après, faire une petite carto, oui, vous êtes gagnant de. Peut-être 15-20 chevaux, on l'a pas fait. Comme sur le GTS. On l'a fait sur la GTS. Mais là, on est sur 420 chevaux. Et, ils sont bien réglés. Hein. Ah ouais, non, mais t'as vu, plus de 300, elle les monte facilement. À l'aise. Ouais. Et t'as vu la stabilité aussi, t'es à l'aise, tu vois. Super stable. Hormis le freinage, bon, c'est vrai que les plaquettes de frein, elles sont à changer. Oui. Bon, ça a été un peu... C'est mieux. Ça fait très. Ça fait gang. T'as vu une voiture quand les freins. Ils... Mais ça a toujours été mon rêve, ça, de faire une petite vidéo YouTube comme ça à l'arrache, sans micro, sans rien. Sans rien à l'arrache, hein. En léger de léger m'chèque. Elle en forme. Oh non, mais je. Là, non, moi je. En même temps, tu viens de la décrasson là. Ah oui, oui. Ah ouais, non. Tu es à 300, franchement, ça se décrasse. C'est pas mal, hein. Faudra savoir sur quelle plateforme tu voudrais publier cette vidéo, imagine. Sur Telegram, sur Signal. Sur YouTube, bien sûr. Nous sommes sur la autobahn. Je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de problème. Non plus rien. Tu vois. On est sur le viaduc de Millau. Sauf que là, justement, la famille, le problème, c'est que faites attention quand vous allez sur la autobahn, justement. Ne vous croyez pas tout permis non plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des portions illimitées. Et d'un coup, vous avez une portion limitée, bah, ils vous mettent un flash. Ouais.
Donc ils sont sympas, ils vous laissent rouler vite, mais attention. Oui. Dès qu'il y a une portion limitée, c'est juste après, il y a un radar, c'est sûr et certain. Et n'oubliez pas que rouler vite est une responsabilité. Ouais, exactement. Ou respect des autres. Après, là, c'est vrai qu'on est de la nuit, on connaît pas bien la route. Ouais. Mais franchement, à faire. Là, on l'a improvisé puisqu'on va chercher une voiture en Allemagne, justement. On vous en parlera. Somme à Hafen. Et justement, à faire justement avec la M5, un matin à 5h du matin, Ryan. Oh, là où il n'y a personne. Matin, là, y a personne. Là, bon. Et on va aller chercher les. Je pense, vraiment, je pense qu'avec la M5 V10, on va aller chercher les 340 km. Ouais, je pense. 330, ça c'est tout de suite. Je l'ai déjà fait en montée. Mais je pense qu'on va, on va essayer d'aller chercher, taquiner les 340, 345 km. On va taquiner la palette, comme on dit. C'est toujours tout droit, direction SN, tu restes tout droit. Oui. Toujours le GPS qui se voit en Kabylie. Voilà. Est-ce que j'ai à dire la famille aussi sur la M3 E90, il y a une stabilité. C'est incroyable. En fait, si vous voulez, la série F, elle est moins stable que la série E à haute vitesse. C'est incroyable. Ouais. Franchement, après 280, 290, vous avez une stabilité, une précision dans la direction qui fait que vous êtes à l'aise avec la, la direction. Ah voilà, avec non, avec la vitesse. Ouais, t'es en osmose avec l'auto. Voilà, exactement, avec la vitesse. Confiance. Tu vois, des fois, t'es un peu sceptique, tu vois ce que je veux dire. Et même la M5 F90, qui est une superbe voiture, qui est une voiture superbement rapide. Elle te met pas aussi confiance. Elle me met pas en confiance comme la E60. Ah, c'est vrai. Sur les hautes vitesses. T'as remarqué ou pareil? Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Même après, si après 300, t'es à l'aise. Il dit pas tout à Michael Latour. T'as oublié de dire que la E60, elle avait des ressorts courts. Oui, elle a des ressorts courts et tout, mais il n'y a pas que ça, rien, je sais pas. Je pense en fait, la M5 F90, il faut lui faire confiance. Et nous, on fait pas confiance. Non, moi, je lui fais confiance. J'ai déjà poussé. On a déjà poussé 315 km. Oui, bien sûr, mais je veux dire. Mais elle est pas à l'aise comme la E60. T'as pas le même ressenti en fait. Dans les hautes vitesses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends tout à fait. Et franchement, c'est ça que je kiffe dans les anciennes. C'est que à haute vitesse, on dirait l'aéro, elle est sur les séries E. Chris Bangle, je crois qu'il a fait un vrai travail. Il a fait le job. Et l'aéro, il est exceptionnel. Après, est-ce que ça vient pas aussi de la direction, vu que l'autre c'est électrique et l'autre c'est. Non, il y a l'amortissement, il y a de l'aérodynamisme. Tu sens que le véhicule, tu vois, il bouge pas, il est là, c'est stable, il n'y a rien, même l'amortissement, tout est carré. Ouais, tu vois, c'est carré dans la. Alors que sur les séries F, quand même, même sur la série G, sur la G80, pareil. Hein, quand t'as un 300, on dirait t'as un 400, on dirait. C'est quand même. Tu vois, t'es là, t'es secoué. C'est compliqué. Alors que là, franchement, les séries E, t'es easy. T'es Arnest Blaise. Si tu pouvais mettre le régulateur à 300 et rouler, tu roulerais normal. Essaye. Et t'as vu, gars, on est monté quasiment 300 km/h. Ouais. Pourtant, les joints de porte et tout, ils sont à l'ancienne et tout. On n'a pas entendu le bruit du vent à l'intérieur. Non, franchement, c'est bien conçu. Ouais, franchement, c'est bien conçu et bien fini. Exactement. Après, c'est un V8, ça reste un V8. En général, les V8 Atmo qui prennent des tours, en général, les VMAX, c'est leur point fort. Exactement. Les V8 Atmo, comme l'a dit Ryan, qui prennent énormément de tours, les VMAX, c'est fait pour. Bien sûr. Comme vous allez prendre une C63 AMG, c'est un V8 Atmo certes, mais c'est pas un V8 Atmo qui c'est prend pas pointu tours, de ouf. 7200 tours. Ouais. Là, on est sur 8500 tours, le vibrequin, c'est pas le même, automatiquement. Bien sûr. Automatiquement, en VMAX, vous allez être un poil en dessous, c'est normal. Parce que moi, j'ai jamais vu une C63 W204 qui monte 330. Non, jamais. D'origine, du moins. Après, peut-être. Après, vraiment carton. Ouais, peut-être. Avec des petites jambes, peut-être. Ouais, parce que la coupée, elle montait 320 quand même. La coupée. Ouais. C'est vrai que je dois sortir quand même. Ouais. Alors, Hanover, Hyman. Ouais, c'est ça. 14. Yes. C'est sûr. Ouais. Ouais. Attention, ça va être indiqué, il y aura des poteaux. Ouais, la coupée, pareil, là. J'ai la coupée en. Ah, là, c'est sur le 3. Coupée. Ouais. J'avais là, ouais, exactement, celle-là. Elle montait 320. Ouais, tu restes sur cette voie-là. Elle montait 320. Mais tu sens que dans les hautes vitesses. Hey, c'est pas la même aisance. Exactement, tout ce qui est après 270-280 km/h, ouais, c'est là que tu vois vraiment. Franchement, le V8 quand tu es en forme, attention, il faut avoir une bonne M3 V8. Bien sûr. Franchement, on le voit qu'il est fait pour la vitesse. Bien sûr. À juste titre, à la même chose pour la. Même titre que la V10, la E60 V10, elle prend des tours, c'est un Atmo, c'est fait pour. Pareil, j'ai l'impression aussi que la M5 V10, après 300, elle marche mieux que la F90 en stage. Ouais, c'est possible. Après. Et vraiment, de 300 à 330 km/h, ça monte. Très rapide. Oh ouais, c'est vrai. Incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est rare les voitures qui, à ces vitesses-là, ont autant d'aisance. Exactement. Ouais. Franchement, bah après, des voitures qui montent à 330 km/h. Entre bon, après, il faut de la supercar. Celle-ci, attention, je pense que 330, elle les prend, mais en descente. Ouais. Parce que je pense plus, j'ai déjà poussé 315. Mmh.
Et genre, on en avait une, tu t'en souviens, rien de la. Oh là là, bleue là. La bleue iceberg, celle-là, on a monté 325, on était à 4 dedans. C'était une patate celle-là. Après 330 en descente, oui. En ligne droite, c'est plus 315, entre 315 et 325. Tout dépend de la voiture. Et l'autre, c'était, elle était, c'était vraiment en fait, là, une fusée. J'ai l'impression que c'est parce que c'est même elle avait les petites jantes. Ouais, elle avait les jantes petites jantes en 18. Ouais. Elle avait les jantes en 18. Mais sinon, elle était pas beaucoup plus rapide que celle-là, non, je pense pas. Mm. Mais ouais, elle avait max, on avait pris 325 km. Ouais, à l'aise, à l'aise. Je suis pas un menteur. Hein. C'est tabou, hein, ces vitesses, normalement. Ouais, ouais. Parlons-en. Nous sommes en endroit propice, les amis. Hein. Ouais, vous prenez une M3 fatiguée, c'est-à-dire vraiment une M3 qui est fatiguée, rincée, entre guillemets, elle a perdu beaucoup de chevaux et tout. Vous allez la monter 290-300, c'est sûr et certain. Ouais, ouais. Bah oui. Ça, c'est la base. Après, ouais, une bien en forme, bah, ça monte 325. Ouais. 330 en descente. C'est énorme. C'est déjà pas mal. Ah, c'est énorme. Là, bon, la bleue, c'est vrai que. Waouh. Ouais, c'est pas. Marchait bien, puis même le comportement. Et bizarrement, elle n'avait pas les EDC, elle n'avait pas les amortisseurs pilotés là. C'était bien. Bizarre, c'était bien. Ouais, il y avait des amortisseurs. Ouais, il y avait mis des KW. Ouais. Ouais. Il dit pas tout, hein, Michael Latour. Non, là non, hein, moi je. Non. Donc voilà, on a décidé de faire une petite vidéo sympathique. Ouais, sympathique. Accélération sur l'autobahn. C'était sympa. Je sais pas, on n'a pas regardé le compteur. T'as pour 2,90, je pense. Ouais, je pense. Bah, vous regarderez, vous mettrez dans les commentaires. On s'est fait des petits kiffs. Et puis, revêtement humide, hein, pour plus de risques, c'est encore mieux. Espérons que cette petite vidéo sympathique vous a plu. Voilà. Et voilà, la famille, passez une bonne soirée à vous. Voilà. Et faites attention à vous. Et faites attention aussi, ne reproduisez pas ça non plus sur les autoroutes françaises. Bien sûr. Même sur les autoroutes allemandes, il vaut mieux être serein avec ce que vous faites, on ne sait jamais. Parce qu'il y en a qui vont reproduire, peut-être qu'ils vont faire un accident, tu vois, ça pourrait. Ah ouais, non. Ah non, non. On veut pas vous inciter. Ouais, là, non. Hein, moi, je dis non. Vitesse-là, attention, vous prenez des risques quand même. Bien sûr. Même s'il n'y a personne sur l'autoroute. Vous n'êtes pas à l'abri d'un nid de poule ou un pneu qui éclate ou ouais, c'est vrai. Quelque chose comme ça. Ah, le risque zéro n'existe pas. Ouais, exactement. Hein. Voilà. Il faut le savoir, ouais, les VMAX, il y a toujours une prise de risque. Voilà. Donc voilà, remercie le Seigneur comme d'habitude, bonne année. Abonnez-vous, c'est moi qui tiens la poste de Rennes cette fois-ci. Ouais, parce que là, j'ai une crampe à l'épaule gauche, c'est horrible. Abonnez-vous, des likes, des notifications comme d'habitude. Et comme d'habitude, pardonnez-nous pour cette piètre qualité. Ah là je peux pas, là tu peux pas m'en vouloir. Wow, ça chasse en 4. Oh, alors fort. C'est bientôt la sortie en plus. Ah ouais, la chasse en 4. C'est noble. Bon, et si sur ces belles paroles, il est temps de se quitter. Ouais, ça est là. Bon, bah voilà, je vous ai tiré une petite boîte. Histoire de.